Bah, pour moi, c'est une fierté déjà pour moi et aussi pour mon pays. Parce que les gens retiendront que c'est un joueur burkinabé qui a marqué le premier but de la CAN au Cameroun. Du coup, pour moi, c'est une fierté pour moi. Qui sont les étalons? En vrai, c'était très difficile parce que le Gabon, c'est un grand pays. Ils savent jouer au football. Nous, on a tout donné, on a travaillé sur nos principes, comme le coach l'avait dit. En menant au score, après, ils sont revenus 1-1, mais on n'a pas baissé les bras. Et grâce à Dieu, on a pu se qualifier. J'avoue, moi, je ne pouvais plus. J'avais le stress, je ne pouvais plus regarder. J'étais tenu sur le banc, je faisais mes prières, chacun priait de son côté. Et j'espère que Dieu a entendu nos prières et il a exaucé notre rêve. Qui sont les étalons? Ouais, dans le visage, c'était au chaud parce qu'on était contents, il y avait la joie, on sentait vraiment une famille. On sentait une famille qui était heureux. Du coup, j'espère que ça va continuer sur cette lancée pour pouvoir arriver encore très loin. Déjà, c'est pourquoi c'est dit? Parce que déjà, c'est normal, il y a la fatigue, il y a l'environnement, il y a le terrain, il y a tout. Il y a tout. Après, nous, on est sur le terrain, on donne tout. On donne tout jusqu'à la fin. Après, il y a d'autres ceux qui vont rentrer, qui vont tout donner. Mais si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas aussi, les coachs, ils savent comment gérer. Bah, déjà, nous, on est concentrés déjà. On est concentrés. On pense pas à la Tunisie, nous. Nous, on pense pas à la Tunisie. On pense à nous d'abord. On pense à notre jeu. On pense à nos façons de faire. C'est à nous de les faire mal. C'est à nous de les faire mal avec nos principes, nos façons de jouer. La Tunisie, ça va être un match comme les autres. On va pas se mettre la pression. On va pas chercher à faire des trucs qu'on n'a jamais fait. On va continuer sur la même lancée pour pouvoir faire un bon truc contre la Tunisie.